D'abord, jeter un œil sur le classement avant le passage de la championne du jour. Eh bien, Fabien Barrel avait détrôné Yves Géniès. Ronald Pognon est troisième. Enfin, notre volontaire du jour s'appelle Virginie Charlet et Céline Géraud vous la présente. Il y a 15 jours, vous aviez découvert les coulisses avec notre équipage engagé dans cette épreuve de régularité. On retrouve donc Céline sur la route de Marrakech pour l'arrivée sur des images riches en rebondissements de Rémi Levin. Automoto, exactement comme celui-là. Si ça vous dit, répondez tout simplement à la question suivante. Marion. Quel acteur star de Hollywood a fait ses débuts dans Automoto ce matin? Alors, c'était il y a quelques minutes. 13-13, ou bien vous appelez le 32-80. Dans un instant, on retrouve... De l'actualité avec la reprise de la saison de Champ Car, la création d'une compétition associée aux plus grands clubs de foot européens. Et pour commencer, une petite info F1 que je vous laisse découvrir dans le 180 chrono. C'est parti. Nicolas Lapierre participe à la saison de GP2 qui reprend ce week-end à Bahreïn. Nous l'avons rencontré chez lui à Genève il y a quelques temps. Il a une histoire un peu particulière qu'il nous raconte sur des images de David Bocquer. Et plus que ça, prenez deux pilotes en première ligne qui ont tout approuvé cette saison, Massa et Hamilton. Lâchez à leur trousse deux fous furieux, Raikkonen et Alonso, et vous obtenez un Grand Prix épique dont on vous donne les clés dans le film de Bahreïn.